On nous demande de calculer l'intégrale i, l'intégrale de 0 à pi demi de 1 sur 5 fois le sinus de x plus 4 fois le cosinus de x plus 5 dx. Commençons par le changement de variable. T est égal à la tangente de x demi. Nous pouvons inverser ce changement de variable en prenant arctangente des deux côtés. Ainsi, nous obtenons arctangente de t est égal à x demi, ou encore x est égal à 2 fois l'arctangente de t. Si x est égal à 0, alors le t est égal à la tangente de 0 demi, donc la tangente de 0, c'est-à-dire 0. Si x est égal à pi demi, alors le t est égal à la tangente de pi demi divisé par 2, donc la tangente de pi quart, qui vaut 1. Par la trigonométrie, nous savons que si t est égal à la tangente de x demi, alors le sinus de x peut s'écrire sous la forme 2 fois t divisé par 1 plus t au carré. Et le cosinus de x peut s'écrire sous la forme 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré. Donc, d'après ce changement de variable, l'intégrale i à calculer devient l'intégrale de 0 jusqu'à 1, de 0 jusqu'à 1, de 1 sur 1 sur 5 fois le sinus de x, donc 5 fois cette fraction, voilà ce produit, plus 4 fois le cosinus de x, donc plus 4 fois cette fraction-là, plus 5, et ici, nous devons dériver le x par rapport à t. La dérivée du x par rapport à t, c'est cette constante multiplicative 2 fois la dérivée de arctangente de t par rapport à t. Donc, 1 sur 1 plus t au carré. Ainsi, nous obtenons 2 fois 1 sur 1 plus t au carré, et puis encore le dt. Nous réduisons ces trois fractions au même dénominateur et l'intégrale à calculer mène vers celle-là. Ce dénominateur commun 1 plus t au carré se simplifie avec ce 1 plus t au carré et l'intégrale i mène vers celle-là. Ici, nous écrivons 2 fois 1 et le 2 peut sortir de l'intégrale comme constante multiplicative. Ainsi, nous obtenons 2 fois cette intégrale à calculer. Pour primitiver cette fraction, nous allons l'écrire autrement. On peut écrire cette fraction sous la forme un nombre constant divisé par t plus 1 plus un deuxième nombre constant divisé par t plus 9. Pour trouver les valeurs de a et de b, nous réduisons ces trois fractions au même dénominateur et nous égalons alors les numérateurs. Ainsi, nous obtenons que a fois t plus 9 plus b fois t plus 1 est égal à 1, comme ceci. Et cette égalité doit être vraie pour n'importe quelle valeur de t. Petite astuce, remplaçons le t par moins 9 et cette équation devient alors moins 8 fois b est égal à 1, ce qui signifie que b est égal à moins 1 huitième. Encore une fois l'astuce, remplaçons le t par moins 1 et cette équation devient alors 8 fois a est égal à 1 ou encore a est égal à 1 huitième. Ainsi, l'intégrale que nous devons calculer mène vers 2 fois
la différence de ces deux intégrales-là. Ici, nous pouvons mettre 1 huitième hors de l'intégrale comme constante multiplicative et là également. Ce 1 huitième se met en évidence entre parenthèses et peut alors sortir des parenthèses. Donc ici devant, nous aurons 2 fois 1 huitième, c'est-à-dire 1 quart. Reste à calculer la différence de ces deux intégrales. Une primitive de 1 sur t plus 1 dt, c'est bien sûr le logarithme népérien de la valeur absolue de t plus 1, et une primitive de 1 sur t plus 9 dt, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de t plus 9. Nous faisons varier ces deux primitives de 0 jusqu'à 1, et c'est ainsi que nous obtenons pour i 1 quart fois ln de 2 moins ln de 1 moins ln de 10 plus ln de 9. Le ln de 1 est égal à 0. Ce ln de 10 peut s'écrire sous la forme ln de 2 fois 5, c'est-à-dire ln de 2 plus ln de 5. Donc finalement ici, ça sera moins ln de 2 moins ln de 5. Nous écrivons le 9 sous forme 3 au carré et l'exposant 2 peut passer devant le ln, donc là on aura 2 fois ln de 3. Ces deux ln de 2 s'en vont et finalement pour i, nous obtenons 2 fois ln de 3 moins ln de 5 divisé par 4. C'est donc ça la valeur de l'intégrale qui était demandée.